Au micro d'Éric Dussard et Jade ce samedi 21 janvier sur RTL dans l'émission On refait la télé, le chanteur Slimane est revenu sur son parcours, ses projets et son actualité. Plein de rêves et d'envie, le jeune homme de 33 ans, qui s'est fait connaître en remportant la 5e édition de The Voice en 2016, s'est montré très ému au moment d'évoquer la naissance de sa fille, il y a un an tout juste. En effet, sa petite Esmeralda, qui est aujourd'hui un bébé en pleine santé, a eu une naissance compliquée, qui a profondément marqué son papa. Née avec 2 mois d'avance avant le terme, la petite fille a vécu des premiers mois difficiles. Des moments douloureux, comme l'explique Slimane, qui raconte qu'Esmeralda avait du mal à respirer, du mal à se nourrir et qu'il a vécu avec angoisse ces moments que tous les parents de bébés prématurés peuvent vivre. Des milliers de « Je t'aime » Slimane a profité également de son passage dans l'émission pour présenter Chronique d'un Cupidon, son 4e album studio, sorti le 2 septembre dernier, dans lequel on trouve notamment le titre qu'il a dédié à sa fille, « Des milliers de « Je t'aime ». Un morceau fort en émotion, dans lequel le chanteur parle du petit cœur à la traîne de son enfant, se rappelant douloureusement ses craintes et ses appréhensions durant ses tout premiers mois de vie.